pas les autorités qui sont la base de la souffrance de notre pays, le Congo, mais la souffrance de notre pays, c'est Dieu qui en est l'auteur. Pourquoi? Parce que Congolais, nous n'avons pas compris. Ce n'est pas important à peuple congolais lelo. Au vando lobi, tolingi nzambe. Tolingi nzambe, tozali bota na nzambe. Comment okoki kolobozali libota na nzambe? Aussi longtemps oyebite. Comment tu l'es devenu? Parce que premièrement, nzambe azalaki nzambe ya ba congolais te. Selon le monde entier, eyebi ke nzambe azalaki nzambe ya Israël. Amen. Un congolais, ce qui lui préoccupe, c'est la prophétie. Okokuta congolais, okokuta politicien, okuti pasteur, okuti même un comédien devant un prophète. Les lots congolais aient si ba prophète ba koma ebele. Mais tokoki ko bando finga présidenté, tokoko finga ba autorité te, parce que tu ébiké ba autorité ni sou bazali établi par Dieu. Et les lots koyo ka peuple congolais. Non, mon frère. Oyebi, ayaki awaza na vision te. Yonde okoya okozala na vision. Oh, dans un pays de Dieu, on ne peut jamais avoir deux visions. Amen. Parce que dans un pays de Dieu, la seule vision qui est reconnue et qui doit être soutenue successivement par des hommes qui viendront, c'est leur destin. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore une fois dans la joie de vous avoir si nombreux devant vos petits écrans pour vous présenter votre émission préférée, La Destinée Prophétique de la République Démocratique du Congo. Une émission qui a révolutionné, qui a réveillé le cœur, parce que nous voulons que, au travers de cette émission, une connaissance exacte de la parole de Dieu soit incarné dans vos mémoires, afin que notre pays, le Congo, sorte de ce gouffre. Longtemps, nous avions donné toute responsabilité des déséquilibres, de la souffrance de ce pays aux autorités. Et cependant qu'au travers de cette émission, nous voulons vous dire que ce ne sont pas les autorités qui sont la base de la souffrance de notre pays, le Congo, mais la souffrance de notre pays, c'est Dieu qui en est l'auteur. Pourquoi? Parce que Congolais, nous n'avons pas compris le temps de notre visitation. Raison pour laquelle nous avions invité pour vous le docteur John Kinkela, qui va pouvoir nous parler de la part du Seigneur dans un thème intitulé « Il change les temps et les circonstances ». Peut-être que vous nous suivez le matin, bonjour à vous. Le soir, bonsoir. Soyez attentifs pour entendre ce que l'Esprit va parler à l'Église. Docteur John Kinkela, bonjour. Bonjour, mon frère. Docteur John Kinkela, bonsoir. Bonsoir. Notre émission sera bilingue. Je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mon confrère, l'évangéliste, le colonel Moïse Ayembe, qui est avec nous sur ces plateaux et qui va nous accompagner tout le long du temps que nous allons pouvoir passer. Docteur, le coup la émission n'abissue qu'aux à la bilingue, qu'est-ce que vous avez préparé pour les enfants des dieux de la RDC et du monde entier? Merci une fois de plus pour la bande de Konabiso. Au Bazali Kolanda Biso, au Pébalanda Kabiso d'avance, na émission Nabiso, au Ezali intitulé La destinée prophétique de la RDC. Le lot na linga qui natali salchouche na peuple de Dieu. Baye ba etinda nini parce que c'est na linga ki kutuna na yo voilà nde mutuna na linga ki kutuna na yo était destiné prophétique de la RDC ezali nini pona baye pour la première fois bazali kolanda yo ce qui na lingi na limbo la plus la destinée prophétique de la RDC pourquoi na ko limbo la na lingala parce que makambo ya mboka esenga kabalo ba yango na munoko ya mboka. Merci. Pour que tout pèse peuple privilège aille bâti na yamakambo oyo parce que est allié destinée prophétique de la RDC na linga le lingi ko limbola ezali na etinda oyo nzambe
nanzela ya ba prophète atindela ki la RDC. C'est-à-dire ceux qui RDC a koki koloba lelo alingi nzambe azali peuple ya nzambe atambola kana nzambe otobengi Jésus-Christ ayeba kake nzambe oyo wana babengi Yesu Christo o bino bolinga kamingi. Selon ce que Pierre dit, lui que vous aimez, sans pourtant l'avoir vu, atinde la bino et tinda na ba prophète. C'est pourquoi à cause ya etinda oyo, nde lolo toye, poto kuka kusakola yango, toyeba. Ce n'est pas important na peuple congolais lelo. Ovando lobi, tolingi nzambe, tozali bota na nzambe. Comment okoki kolobozali libota na nzambe? Aussi longtemps oyebite. Comment tu l'es devenu? Parce que premièrement, nzambe azalaki nzambe ya ba congolais te. Selon le monde entier, eyebi ke nzambe azalaki nzambe ya Israël. Amen. Et il est reconnu comme Dieu d'Israël. Amen. C'est pourquoi nalingi premièrement molinga minanga atangela biso mokanda oyo ya Daniel chapitre 2 verset 19 kino 21 toyokananu qu'est-ce que David Daniel a vu? Merci. Docteur, Daniel chapitre 2, pour nabaye balinga rako tanga mingi biblia, 19-21, nous lisons. Mm-hmm. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit les dieux de cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom des dieux d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. » Celui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Amen. Awa Daniel, juif, a outi Jérusalem, mais na katia captivité na Babylone. A tout temps Daniel, a ebaki kenzambo ya sala kanzambe na bango. Il est fier de dire qu'il est notre Dieu, comme l'apôtre Jean l'a toujours été, pour Nakolo Banabiso, petits enfants. Mm. Daniel aussi était trop fier. Mais quelque part, Aeko Koutake, roi à l'autre Ndoto, Nabukadnessar, c'est-à-dire. Mais Ndoto Oyo est Bungi. Et il voulait savoir la vision et son interprétation. Amen. Parce que son génios est très important, ce n'est pas comme nous les Congolais aujourd'hui. Un Congolais, ce qui lui préoccupe, c'est la prophétie. Okokuta Congolais, okokuta politicien, okuti pasteur, okuti même un comédien, devant un prophète. Les Congolais ont aussi des prophètes, ils sont comme à. Mais selon Jésus-Christ, Nzambo Tolingi, a ABC, Libota Lobi. Baye kolio bazala ki na yalo bon na koti kabino orfelete na kozala kana bino soki esengi na lobela bino na kolobela kabino na ndoto, c'est-à-dire Dieu pour parler à son peuple, il leur parle par des songes. Amen. Et des visions. Amen. C'est pourquoi dans vision ou songe il faudrait mutozwa importance ya vision ana mukonzi aloti ndoto eleke lié alobi, il faudrait les interprétations. Abengi ba magicien, abengi ba sage nyons, incapable de pouvoir interpréter et connaître la vision. Mais quelque part, secret là qui révélé à Daniel. Dieu qui va révéler le secret à Daniel après une prière na banzi boyebi nazo kenembangu pour na minute. Mais Daniel oyo, après la révélation de ses songes à roi, azolo balobi, ah, je reconnais que tu es Dieu. Et que tu es un Dieu qui change le temps et les circonstances. Amen. C'est-à-dire, Daniel a quand même, à travers songe, Oyo Nabukadnessar Amoni, à comprendre que Nzambo yo, azali susu ya bisote, a komi Nzambe ya ba païen. Mais pour qu'il devienne Dieu des païens, il y a eu une circonstance, et ça là qui Nzambo wana koma Nzambe ba païen. Parce qu'à tout temps, il était reconnu comme Dieu d'Israël. C'est ça. Or, pour qu'il soit reconnu comme Dieu d'Israël, il faudrait Nzambe wana appeler sa promesse à leur père Abraham. Amen. C'est grâce à cette promesse que Israël a commis Kumisake, Nzambe yazali Nzambe ya tata na biso Abraham, tata na biso Isaac,
Jacob, Nabiso Bano, comme Israël, c'est notre Dieu. C'est-à-dire, s'il y a un peuple qui peut se glorifier, que Nzamba comme Yabango, il faudrait pas comme bénéficier d'une promesse. Amen. Sans une promesse, Dieu n'est pas votre Dieu. Amen. Mais ceux qui congolais les lois à Kokolobaza Nzambe, tozonga selon ma komi. Nakatia ma komi, tozomona quelque part, na Deutéronome, na chapitre 32. Le verset 19 à 21. Ndekonanga ya tangilanga rapidement pour que j'avance. Deutéronome chapitre 32, 19 au 21, le deuxième livre, soyez pas attentifs. Dit l'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit : je leur cacherai ma face. Amen. Je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Et ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Amen. Amen. Awa, balingami, boyo kangabo landanga malam. Parce que la Bible est tout entière a été écrite pour des nations. Amen. La première nation, c'est cette nation d'Israël. Maître de sa promesse et de son destin, de cette Bible que nous sommes en train de lire. À cause de son Dieu, Israël aujourd'hui est devenu une nation élevée. Amen. Une nation forte, une nation prospère. Amen. À cause de Nzambe, à cause de la promesse. Ce qui est l'autre, c'est que la relation qui existe entre Israël et la RDC, c'est aussi grâce à une promesse. Amen. Si le peuple n'est pas reconnaissant de cette promesse, non, il n'est pas encore devenu son Dieu. Awa, c'est Moïse, nakati ya désert. Nzamba zoloba na Moïse, yebisa peuple. Peuple ni Israël. Alobi, on. L'Éternel la vie, c'est-à-dire Yahweh Nzamba moni bana na ya basi aboni bana na ya mibali alobi ah na kobombe la bango elongi na ngai yo Nzambe na bango linge bombe la bango elongi pona ni abi non parce que batumbo likanda na nga na bikeko ya pamba pena oyo azali Nzambe te c'est-à-dire ya quelqu'un qui n'était pas Dieu d'Abraham ni Dieu de Jacques ni de Jacob mais qui était glorifié par ce peuple d'Israël. Et le Dieu d'Abraham s'est mis en colère contre ses fils, parce que devant le père, il était reconnu. Amen. Devant le père Abraham, Isaac et Jacob. Mais du temps de ses fils, les fils ont méconnu leur Dieu. C'est pourquoi Nzambe a siliki. Alobi bano yo, na kobombe la bango elongi nanga. Parce que batumbo likanda nanga. Na oyo azali Nzambe te. Amen. Pe abakisa lobi, pe na bikeko oyo ya pamba. C'est-à-dire il y a deux choses qui fait que Nzambe na bango asilike la bango. Ba adore Nzambe mususu, oyo azali Nzambe na bango te. Oyo azali Abraham te, Isaac te et Jacob te. Pe bakeko adore bikeko ya pamba. Voilà ce qui met Dieu en colère contre son peuple. Amen. Alors bien wana sikoyo na ko tourner longinanga, na ko bombe la bango et longinanga. J'irai me présenter à une autre nation. Nation, ni à lobby. Une nation insensée. Un peuple sans c'est intelligence. Ça, ce n'est pas moi, c'est Moïse qui parle. Dieu à travers la bouche de Moïse. Moïse. C'est-à-dire à lobby, azotika nation d'Israël. Tant que azobombe le longi, azobombe la nation d'Israël le longi, à quel point lui présenter qu'on nous a encore une autre nation. Mais nation, wana. Et là, quoi, comme ça, que Bango Baza Maël était. Un peuple insensé. C'est-à-dire, Baza n'a sens. Nous avons Keko Luka Bango. Malgré Baza ba insensé. Mais n'a Keko Bango. N'a Lingi Kaka Bango. Malgré que Baza intelligente. Mais n'a Lingi Kaka Bango. Or, on ne peut pas parler de l'intelligence parce qu'il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse. Un intellectuel ne peut jamais inventer. Intellectuel, Moussa Lanae, batangisie A. Alobi, A. I.
a bloqué par le bi i. Il y a koko bakselo comme chouchouté. C'est pourquoi il y a quelque part un peuple bango banda batangi sa bango gauche. C'est-à-dire, il y a quelque part, il y a un peuple qui a été bango mabe. Eh, batikali na bango na sens wana. Baboyi kozonga na sens yanza. Yanza. J'irai auprès de ces peuples, je les rechercherai. Et je dirai à ces peuples, na zanzambe pona bino. C'est pourquoi na lingi, na zonga nanu na eloko. C'est Dieu ne cherche pas l'église. Amen. Et il ne cherche pas plusieurs nations. Mais il se vocalise à une seule nation. Comme il s'était focalisé à celle d'Israël. Voilà mon bien-aimé. Merci beaucoup. Azo pesa mukongo na nation oya lingaki. Amen. Nation oya laki yaye. Nation balaki ko se glorifier que non bisonde di bota na nzambe. Bisonde to sala ka peuple na apesi bango mukongo pour se confier à une autre nation. C'est pourquoi poto kende ko kosate ba pasteur na bande konangai toko sate na lingito bakisa verset moko Esaïe chapitre 65 verset 1 à 2 parce que na lingite mutoyeb sangake non or Dieu après avoir tourné dos à Israël il est allé chercher l'église. Non jamais, ça n'a jamais existé. Mon frère, il y a un peuple, un problème de la nation. Il quitte une nation pour une autre nation. Il quitte un peuple pour un autre peuple. Amen. Esaïe chapitre 65, versets 1 à 2. Amen. J'ai exaucé ce qui ne demandait rien. Je me suis laissé trouver par ce qui ne me cherchait pas. J'ai dit, mais voici, mais voici. À une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Amen. Amen. Awa namoni loko la Esaïe, le prophète, oya tinde libiso etinda. Amen. Nde na etinda oya ebisibiso alobi. Azo ebisa bandeko naye. Ba Israélite. Abi, nzambo yo. Namoni eloko moko eso salam. Eloko nini alobi? Akei komi présenté na nation mususu. Lui-même en personne. C'est-à-dire alingi ko emprunter chair d'une personne. Amen. Ni alingi te qu'un prophète, ni un pasteur, ni évangéliste alobe la peuple wana a interprété. Oh Dieu a dit. Je me suis laissé trouver par ce qui ne me cherchait pas. Aboyi aboyi. Je dis mais voici, mais voici. Akei auprès de ses peuples, azoib sa peuple anu. Me voici. Yo mutu na yoki lo kotanga kitoko ndeko nangai. Lokoto ya française bio bimana munoko na yo lokola mai nazo komi tu novanda na France. Ozalaika kana mboka oyo to yango na lina tu no mutu. Quand est-ce qu'on peut dire me voici? Non mais c'est mais voici, c'est lorsque un homme est esprit ou lorsqu'il porte la chair. Il y a une présence physique. Ah! Maintenant awa Nzambo azoko lekelanga mayele. Et selon les écritures, c'est Dieu dit ceci. Je suis allé me présenter vers une autre nation. C'est-à-dire à tiki nation mususu. Amen. Maintenant, se présenter devant une autre nation, ayebisi bango alobi, ngaye. Mutu bolukaka? Ngaye. Amen. Kolinga kanani? Nzambe. Ngaye yo. Amen. Yesu toke na mapata. Tenga yeyo kotala na mapatate. On mangenge kokene na mangenge kokende kunate soki mangengenge soki wapi kokende te ngaye mais voici. Maintenant c'est Dieu regrette. Il dit pourquoi? Ah mais parce que j'ai passé tout mon temps à me présenter vers une autre nation qui ne cessait de sacrifier bah idolâtre chaque jour. Musala na bango idole chaque jour. Musala na bango ko boma baniama ko kab mafut na makila batangisi. C'est pourquoi na pesi nation wana mukongo. Vous comprenez? Maintenant tozonga nzambe wana en personne qui veut se présenter devant ses peuples qui n'a pas besoin d'intervention parce que même lorsque Israël était en Égypte, une promesse était donnée depuis longtemps. Exact. Joseph azoti que la bande konaye promesse alobi. Je sais que Dieu vous visitera. Amen. Et vous fera monter de ce pays
vers le pays qu'il a juré de donner à notre père Abraham, Isaac et Jacob. Et comme il y avait une promesse de la visitation de Dieu, c'est-à-dire Israël ne pouvait pas attendre en Égypte qu'une autre personne vienne et se déclarer, moi l'Éternel m'a parlé, moi je suis prophète, moi je suis évangéliste, moi je... Non! Ici, ils attendaient Dieu seul s'est présenté devant ses pères. Ses peuples. C'est pourquoi Awapé, vers une autre nation, c'est-à-dire les colonies sont en train de se faire, et ce matin, mais Awa, quelque part, Isaïe, sur le bas, lui, non! Nous avons dit que nous avons patate. C'est vrai. C'est pourquoi on a l'ingito tout dans la Bible. Qu'il y ait ce Dieu qui a caché la face au devant de ce peuple d'Israël. Parce que ça, c'était une prophétie. Amen. Maintenant, vérifions les Écritures. Parce que la Bible s'interprète. L'apôtre Pierre a pécibisotolé à l'obi qu'aucune parole de l'Écriture ne soit une interprétation particulière. Parce que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé la part du Seigneur. Maintenant, comme la Bible s'interprète, demandons, qui est ce Dieu qui s'est caché la face? C'est pourquoi Tokena Matthieu, de Konanga Matthieu, chapitre 23, na lingio bandelanga na verset 37, kino 39. Total anzambo abrobomba elongi kuna. Matthieu, chapitre 23, bien-aimés dans le Seigneur, soyez attentifs. Vous comprendrez combien l'Esprit du Seigneur est en train de parler et Dieu est en train de visiter son peuple au travers cette émission. Matthieu chapitre 23, quel verset docteur? Verset 37 qui nous 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ce poussin sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais. Ah bon? Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Amen. Awa na moni nzambo a jobombe longi. Yemoko wana, ami lobeli. Aboye interprétation. Ça, c'était une prophétie dans Deutéronome. Mais ici, c'est l'accomplissement. Amen. Parce qu'on doit connaître un prophète par l'accomplissement de ce qui a été dit. Amen. C'est pourquoi, Awa, Dieu qui avait parlé dans la bouche de Moïse, que je cacherai ma face devant de ces peuples, il n'a plus voulu qu'il ait un autre interprète. Amen. Lui-même en personne est venu. Amen. En face de ces peuples d'Israël, il a bandi koebsa, tali Jérusalem. A dit, ah, Jérusalem, Jérusalem. Moussala na yoko boma ba prophète batinde la kayo. Combien de fois ai-je voulu, moi, ton Dieu, te rassembler. Na sangi sayo, ndenge soso abate la kabana na yo. Na tchabino na sama papa. Mais vous ne l'avez point vous. Voulu. C'est pourquoi votre pays, votre ville ici, vous sera laissé désert. En ville, Tikalaka déserte. C'est-à-dire la ville de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversé. Tikalaka déserte. C'est pourquoi ce ville et Tikalaka déserte. Binonion se beaucoup panzana. Mais ngayo yo Jésus. On a ça en face, Nabino. Bokoti kalaka komo na esu elongi nanga soki moke. Qui no bino bokolo baka? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, celui qui vient au nom du Seigneur, ce n'est pas Jésus. Amen. Il y a une autre personne. Amen. Parce que le président de la République, dans une des réunions où il est invité, ce qui a le bien à Kokendete, a ça empêché. As-tu dit ministre? Ministre. Il est venu au nom du chef de l'État. Ah, c'est-à-dire, le chef de l'État, ce n'est pas celui qui est venu au nom. Ce qui est le chef de l'État est au nom de. Au nom de qui? Au nom du peuple. Non. Awa Jésus. Ayebisi bangwa lobi. Tiko, boko monaka elongi nangali susute. Amen. Ki no binon denge bosa boye. Boko lobaka ke. Akumi sama. Oya zaliko yana kombo na ya wenza. Zambe. C'est ainsi, à cause de la parole, à cause de cette prophétie, de cette promesse, Nezaya Zolobela. Alobi ya solo, nakobomba kelongi. Mais tant que nakobombe la bangwe longi, il faut qu'elle vers une autre nation. Parce que chaque jour, j'ai exaucé. Quelque part, j'ai exaucé ce qu'il ne me demandait rien. C'est-à-dire, il y avait un peuple qui lui demandait. Amen. Quel était ce peuple qui lui demandait? C'était Israël. Israël, Nezaya qui kotou senga nanzambe. Azo senga nzambe nini. Seigneur, devant de Moïse. Abin, tout lingi tout mona premièrement.
na désiré à toi na makambo mibale misatu te. Nous voulons premièrement voir les dieux de notre père Abraham, Isaac et Jacob. Ce qui tomoni nzambe wana yayoli kambo salene ne. Maintenant biso moko en face de ces dieux. Totunae. Nous sommes une nation de Dieu. Mais nous souffrons pourquoi? Pour na nini tozali na pasi. Net congolais lelo. Ce qui est à la cassage. Écriture yango ezolo. Alors, dit, nazo pesa mu Congo na Israël. J'irai me présenter à une autre nation. Et je leur dirai mes voix. Mes voix. Maintenant, ce qui peuple congolais à la ca instruite comme peuple d'Israël, c'est le moment. Akoka kia banda koluka nzambe wana. Po ayebi nzambe wana. Biso tozo souffrir ponani. Ponani. Israël atikala jamais ko vanda lobi binonde ba konjambo ka bomemeli biso passe. Premier ministre amemeli biso passe. Oh bourgmestre. Oh voilà chef à quartier. Abi eh passe nyonso toza nangwe uche pa nanza. Parce que Bible lobi qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. C'est-à-dire si la souffrance arrive, ça vient de l'Éternel. Amen. Mais si la souffrance vient de l'Éternel, il faudrait que le peuple se pose les questions. Ponanini nzambo lingi tosu to souffrir. Tonio kwa maponanini. Voilà Israël au devant de ses dieux. Nda lingi ko tuna bango. Ah. Ponanini toko kiko nyo kwa. Nzamba zolo ba na lingi na exaucer ba o ba senganga te. Parce que ba o ba senginga ba senginga. Musala na bango na ekomona. Koboma. Koboma. Kongumba melabikeko. Kongumba melabikeko. C'est pourquoi na pesi bango mukongo na kende vers une autre nation. Maintenant mes bien-aimés congolais, si nous voulons parler de Dieu, to lingi to beta mbunda, to lingi to bondela, o mata mangengenge, tuna nanu nzambe wa. Amen. Nzambe na biso, o to lingi o Yesu Kristo, lo baki o kobombela Israel mukongo, o kobombela bango elongi, o pesa bango mukongo. Lelo ke na nation ni? Nini? Parce que tant to koye besika nation wana oyo akei, il faut to lukaye na nation wana, to tunaye. Nzambe na biso. Parce que tu as comprendre que tu n'es pas président. Amen. Et tu n'es pas bourgmestre. Mais parce que tu as compris que tu n'es pas na yonza. Parce que dans un pays de la promesse, pays nion sur la promesse, bazala kana lolenge na bango ya kotambola. Amen. Bazala constitution na bango kolandisa nza. Nzambe. Parce que c'est Dieu, le maître de ce pays, azana ya une volonté. Amen. Un pays qui a la promesse de Dieu, à qui qu'on jamais la constitution copie-collée. Amen. Ou prendre une constitution quelque part. Amen. Parce qu'il faudrait loin na yenyon se ou tananzambe. Or, si les peuples congolais étaient sages, ils pouvaient comprendre aujourd'hui que toute cette souffrance vient de Dieu. Maintenant, nzambe on kolo, passion. Pourquoi zopinir biso? Voilà. C'est-à-dire, nous sommes cartés vers la volonté de notre Dieu. Mais quelle est cette volonté? Amen. Toko ki ko bando finga présidenté. Toko ko finga ba autorité te. Parce que tu as dit que ba autorité ni sous bazali établi par Dieu. Et le loko yo ka peuple congolais. Non, mon frère. Oyebi, aya ki awaza na vision te. Yonde okoya okosala na vision. Oh, dans un pays de Dieu, on ne peut jamais avoir des visions. Amen. Parce que dans un pays de Dieu, la seule vision qui est reconnue et qui doit être soutenue successivement par des hommes qui viendront, c'est leur destin. Amen. Et le destin de ce peuple doit avoir toute une constitution au Esengeli Kolanda. Parce que Israël, a koka ki kozwa mobeko te, sans que mobeko wana, elle landa d'abord objectif na bango. Amen. Nous sommes dans les Écritures. Selon les Écritures, la loi des Juifs ou la loi mosaïque a eu départ des lois. Ce qui le loba tu baye bakate. Loi wana okamati okoko tchango na Congo. Po esale la Congolais nini. Et le côté. Parce que la loi mosaïque avait deux tranches. Une première tranche de cette loi mosaïque devait guider Israël, c'est-à-dire guider Moïse, aider Moïse à atteindre son objectif, atteindre son destin. Amen. Et quel était l'objectif ou le destin de ce peuple? Quitter l'Égypte vers le Canaan, terre qui a été promise par les rêves Dieu. Dieu. Maintenant, Moïse, a zozonga katnaya le peuple yolelo, pour na komisa bango na mboka na bango. Oye ba lakela bango na nzambe, papa na bango, Abraham, Isaac et Jacob. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les lois qu'il faut mettre? C'est pourquoi bandeli bango. Habitant la nanzela toko kende, guerre kozala. Loko la guerre kozala, bato yo bako kiko banga, baya kozonga.
Maintenant, pour qu'ils avancent, la seule chose que je voudrais leur dire, c'est quoi? Yo Israël, oko ki ko bala nana nation mususu, ce qui moke. Oko li apena nation mususu, ce qui moke. Maintenant, Juif a zozonga, ou Israël a zozonga. Ce qui na ko bala nana nation mususu. Celle, o yanga peuple, bango wana bakei. C'est-à-dire, je suis obligé na landa bango. Amen. 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 Que le Seigneur de gloire bénisse. Amen. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, si Congolais aye baka destin aye, même loi, même constitution aye, ce qui aye baka, ezengeli, atou na Bible, atou na Nzambo, yom tolobike, mais voici, ozali d'abord wa, wapi. Maintenant, to tou na Nzambo, mais tozo souffrir, to sale la yoni, nini. Mais quelle est la loi qui convient pour que nous puissions avant, quel est notre compte? Constitution. Que le Seigneur de gloire bénisse. Docteur, c'est-à-dire au lingi koloba été même biso ba congolais constitution na biso esengeli ebima au travers les commis. Mon bien-aimé, que personne ne vous trompe. Constitution ya ba congolais nkolomboka oyo ezaka kana mo na katikati ya Biblia oyo. OK. Pourquoi na Bible? Parce que là j'avais dit au commencement, la Bible a été écrite pour des nations. Et la première nation qui y est Israël, aujourd'hui a sa constitution venant de la Bible. De la Torah. C'est-à-dire, voilà la Torah. Amen. Parce que Basali Kolanda a la loupe, selon la loi mosaïque. Qu'est-ce que notre Dieu avait dit à Moïse? Amen. Lorsque vous serez dans le pays, Tosalani, tant que le peuple a sali volonté, wanate, à quel ibanda y a volonté, wana, y a zambé, wana, pas chez sali nini, pas si y a makasi, mon bien-aimé, toliani namte. Docteur, c'est-à-dire olingi koyebisa biso ete Nzambe sima ya kopesa mokongo na Israël aye na mboka na biso Congo. Maintenant, passe minyoko Nzambe kosila kokoma na mboka Congo. Tozali ko attribuer yango na bokonzi, to na bakonzi oyo bazali établi à la longueur des journées. Tozali ko finga, tozali ko tuka, betela biso nanu lisolo ya marche wana pe eloko nini ba congolais ba sali pour te bakoka ko vivre, bakoka ko subir. Mon bien-aimé, ko kende musikate. Nous avons la première nation qui est Israël. Parce que apôtre Paul a lobi na biso boy. Na makomi a lobi, l'ombre doit refléter la réalité. Maintenant, si l'ombre doit refléter la réalité, total ananu ombre qui est Israël. Amen. Parce que nous sommes la véritable Israël. Amen. De Dieu. Amen. Balobite Israël spirituel. Amen. Israël amolimo. Non. Mm-mm. Paul a zolo bango alobi Israël de Dieu. C'est-à-dire au anes la ka Israël en Nzambe te ya Moïse. Amen. Et nous sommes véritable Israël de Dieu. Mais Paul alobi botala nanu ndakisa ya ba owana. Lo lenge nini batambolaki. Pona bango passé côté la bango. Là pour la toute première fois. Selon les Écritures, Dieu leur dit ceci. Tant que vous possédez pays dans Deutéronome, chapitre 12. Tant que vous avez Deutéronome. Deutéronome, chapitre 12, quel verset? Verset 1. Okitana, attends la sixième verset. Voici le loi et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez. Mm-hmm. Dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Amen. Vous détruirez tous les liés où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez les images taillées de tous leurs dieux. Et vous ferez disparaître leur nom de ces liés-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu. Mm-hmm. Mais vous le chercherez à sa demeure. Amen. Et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus. Mm-hmm. Pour y placer son nom. Sukela na nu na molinga mi parce que tangi mingi. Na mutuna na yo awa Israël. Ils étaient encore dans le désert. Nzamba zoebisa Moïse alobi. Yebisa peuple. Poyo Moïse. Okokota te na mabelewa. Mais lokola bango bazokende. Pourquoi yo kokota te? Tu ne m'as pas sanctifié sur les eaux de Meriba. C'est pourquoi yo sukela o. Mais yebisa bango bazokende. Abi na pays au bazokende so ki ba komi peyoyo na pesi na papa na bango Abraham Isaac Jacob so ki ba komi na mboka wana babo balingite
ngai na bango to sala na boyokani eloko ya yambo bakosala yango na kati ya mboka wana bakokuta bisika ebele batu bazobondela nzambe biso to sana oyo nzambe Betel o nzambe aventure armée de l'éternel tout ça o soki nzambe almen soki armer o soki nzambe cheval de Moïse o soki face ya nini o nzambe soki muselekete o nzambe aigle bokokuta banzambe wana bazali ebele ba hotel ezali ebe ebele ah maintenant eloko ali amboboko sala nini boko renverser ba hotel wana bisika nyoso babonde la kabanzambe lelo toko benga hotel c'est-à-dire église les assemblées assemblée chrétienne ça c'est la parole de Dieu panza biloko waneza la lisu soki moke mais pona yawe nzambe na bino bosala bongo te pona yawe nzambe na bino boko tele mesela ye église ya moko konzala kaka wana pour l'éternel parce que votre Dieu le Dieu de votre père Abraham, Isaac et Jacob c'est un Dieu jaloux soki bo kangisi na banzambe mususu parce que c'est la bino. T'as la peuple, oye. Bah, comme, mais, du temps d'Akab, roi Akab, qu'est-ce qui va arriver? Donc, on est rapidement. Du temps, il y a roi Akab, tout le monde Akab, a qui est la moisi moupaye. Tant que moisi moupaye, oye, moisi moupaye, pas le bino. Oh, ça, c'est une opportunité. Akumbi banzambe nyoso ya ebana bango. Ayeko zwa kaka ba prophète na mboka ya Isaïe. Ndenge lelo tozaliti. Donc banzambe nyoso ya bapa ya basali nini? Bakoti awa. Bakoti na pays de la promesse. De la promesse. Ah ba yeko kota. Maintenant banzambe wana tangu ba mindele ba yena bango. Baluki batu mususu te balubi. Oh, il faut to luka kaka ba prophète kati na ba? Na bango. Ah, nde ba yeko luka ba prophète. Bato talandenge bakomi ebele okende na wenzi prophète au prophète okende na nzela prophète ba prophète wana ba yeba tondite ba établir Jezabel a récupéré bango tina kati ya maison royale nzamba tali alubi comment faire la différence comme celui-ci a créé jalousie nanga na banzambe mususu maintenant il faut que je punisse ce peuple amen. Passe côté na mboka jusqu'au point où peuple comme Kolia Koliana. Mais dans ce pays il y avait le prophète de Dieu. Amen. L'incarnation de Dieu, la bouche autorisée qui était Élie. Élie prophète na nzambe. Nzambe so yebisa ya lobi Élie. Omoni makambo ka basali na mwasi na. Ba chelinga ba nzambe mususu. Po ba chelanga ba jalousie. Nzambe zuwa nazokanga likolo. Mule kobeta te pendant 3 ans. Mais comme toi tu es mon prophète, kende nobima, kende namboka musu? Mususu. Kuna na konurir un prophète de Dieu. La bouche autorisée, l'incarnation de Dieu. Non, Dieu peut lui faire voyager. Amen. Mais atikali ko imposer souffrance dans le pays. Amen. Souffrance wana base na ngwezani mo konzité. Amen. Mais base à souffrance, bah église est ton Dieu, Nzamba comme na jalousie. Docteur, répétez nanu les locaux wana au lobby souffrance oyo eza établi mo consité. C'est-à-dire, ce qui te kokolo ba souffrance na mboka, la personne à qui il faudrait parler, ce sont les prophètes. Nde il faut que tuna. Base à souffrance. Mais to so songa selon la Bible. Amen. Selon la Bible, passe côté namboka. Souffrance est bêti. Nzamba linga souki sa souffrance. Migo milele maître de temps et de circonstances. Ah, il appelle encore Eli. Abi Eli kende namboka. Parce que je voudrais mettre fin à la souffrance. Kende komo nanana prophète Eli. Et pardonna roi Akab. Yebi sa roi Akab boye. Alobi mokonzi alobi. Nzambe. Mokolo mboka oyo. Amen. Mokolo bilaka ya mboka oyo. Amen. Toto bengi, pays de la promesse, c'est-à-dire terre promise. Ah, yebi singa boye, na yako kutana na yo Akab. Tangu roi Akab azo mona Eli, yoka kobenda ne bandi. Kobenda na ya roi na prophète. Roi lobi, roi, un roi sage. Abandeli Eli. Alobi, c'est toi qui jettes la souffrance dans ce pays. Maître trouble, c'est toi, Eli. Amen. Eli parle, mais oh mon roi, c'est toi. Yonde mon konzi, moutozali bas yasu. Yasu France. Mon konzi alobi nanin. Abi parce que tiki Jezabel, la tiara banzambe moussou. Wana Eli. A établir, pardon. Eli alobi. Alobi na roi alobi.
parce que tiki Jézabel atia banzambe mushushu établir ba prophète zambe wana komi na jalousie. C'est pourquoi quand là qui dit kolo olingi passe sila abina liana pour ça passe sila passe le qui peuple les limi mingi en droit Elia lobi lukelanga yebsa yebsa mwasina asangi saba prophète nyonso ya bal na bastarte toke ne na bango nango na ngomba poto mekate niveau toye ba qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu tangu ba komi na ngomba mon frère ba sali hôtel après les établissements ya ba hôtel on a voulu vérifier pour voir qui est de Dieu et qui ne l'est qui ne l'est pas mais et comprendre mon frère na banzi minute Jesu ke linga wana me bien-aimé dans le Seigneur. Et sengomingi koyoka makambo lokola boye. Je me pose la question. Commençons par le citoyen numéro 1 du pays. Et les autorités et la suite des autorités. Avez-vous compris ceci? La destinée prophétique de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la souffrance, le peuple pleure, disent que c'est l'autorité. Mais il y a un autre son de la trompette aujourd'hui qui vous dit que la souffrance de ce pays, parce que c'est un pays de la promesse, que vous, que nous pensions être intelligents, nous pensâmes que vous êtes intelligents, vous avez beaucoup étudié, avez déclaré dans votre constitution que la République démocratique du Congo est un pays laïque. Quelque chose du diabolique. Amen. Quelque chose du satanique. Amen. Chère autorité, cette souffrance ne s'arrêtera pas tant que vous n'allez pas retourner dans les Écritures. Amen. Un débat entre le roi et le prophète. Akab dit, Élie, c'est toi qui troubles le peuple. C'est toi qui troubles la nation. Élie dit, non, c'est toi le roi Akab qui troubles la nation. Qu'ai-je fait, moi, le roi Akab? Non, tu as laissé Jézabel. C'est-à-dire, même le président de la République, quand on dit que c'est lui qui jette la souffrance, qu'il regarde les prophètes, les pasteurs et les docteurs, il a dit, c'est vous, les pasteurs, qui êtes à la base de la souffrance de ce peuple. Pourquoi Jézabel est venue? Vous l'avez laissé amener, importer tous les dieux de chez eux. Comme aujourd'hui au Congo, tous les dieux étrangers se retrouvent ici. Le Congolais n'était pas de Kuluna. Le Congolais ne connaissait pas la machette. Le Congolais était un peuple hospitalier. Mais regardez, avec des dieux étrangers qu'on a amenés ici, qui sont partout installés, la souffrance est dans le pays. Écoutez, la République démocratique du Congo est une vision. La République démocratique du Congo est un songe. Oh. Et ce songe doit être interprété. Amen. Et je laissez-moi vous dire que Dr John est aujourd'hui ici, envoyé de l'Éternel, le Dr Matoni Bamwabi Balejamalou, que nous saluons, qui se trouve en mission de service là que vous êtes, papa, que l'Éternel Dieu, votre Dieu, vous bénisse, est là pour vous donner l'interprétation de cette vision et de ces songes, afin que ce pays sorte de gouffre. Amen. Notre numéro de contact, les numéros du docteur seront affichés. Et si vous voulez entrer en contact avec nous, le pasteur Laurent Fabrice, vous allez nous appeler au 00243-97-520-693 à la fin. 97-520-693. Vous suivrez la rediffusion de cette émission les dimanches à partir de 15h10. Je dis bien le dimanche à 15h10. Que mon Dieu vous bénisse. Nous nous verrons le vendredi prochain à la même heure. Merci. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, to pesi bino mbote na kombo na Yesu. To ye epai na bino na banda kuna bino pona ko pesa bino liye annonce oyo. Du nouveau na mboka Allemagne, Morija Express, votre service de frais aériens. Morija Express, service nabiso, service nabino ya frais aériens.
Morija Express est à disposition. Il y a nyonso oyo bafani na mboka Allemagne, un service ya frais aérien. Il y a ba colis na bino, ba petit colis na ba grand colis na bino, de 1 à 10 kg, de 10 à 15 kg, 20 kg, ça dépend ba kilo ko kozalango. Et ko kende na bateau te et ça la ba 1 mois, ba 2 mois, ba 3 mois, mais yango ko kende na avion et ko sala kaka 48 heures colis na yo et komi na mboka Kinshasa. Partout aux allées na Allemagne, komi tung samate, aux allées na Hambourg, na Berlin, na Munich, na Düsseldorf, na Aken, soko zali wapi kobangate, contactez biso kaka na WhatsApp au toche awa, na email toche wana, tokoye ba ndengene ni koli na yo ekokome la biso rapidement, et puis ekomape na Kinshasa rapidement boza la service. Et si li ba passe, ya kotinda ka ba koli e wumela nanzela. Oyo ezali service ya avion, te bengi yango fret aérien. Koli eko sala kaka 48 heures et commis. Benga biso na numéro de téléphone auto chi awana suka. Diaspora ezali kokende kaka liboso. Benga biso na numéro de téléphone auto chi na suka awa ya WhatsApp pe to okomeli biso tokoyebisa yo nini kosala. Ozala ozala Munich, na Berlin, na Hambourg, partout esi kozali kobanga te kontakte biso tokoyeba ndenge nini koli ekokomela biso, et puis 48 heures après kolino bandeko bakozwa Kinshasa. Nzambe apambola. Soki pe ozali na bakoli na yo euta Kinshasa batindelo mwa biloko na Kinshasa eya na Allemagne, kobanga te kontakte biso na numero oto tina suka awa. Nzamba pambola bino, solution yangwana ezali Morija Express fret aérien 48 heures.